Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un gâteau à étage. Pour faire un gâteau à étage, il te faut de la pâte à sucre blanche, trois gâteaux ronds de tailles différentes et du sucre glace. Tu auras besoin d'un grand plat, d'un rouleau à pâtisserie, d'un couteau, d'un pinceau et de l'essuie-tout. Pour la déco, tu auras besoin de mini meringues, d'un colorant alimentaire en poudre, d'un pinceau et d'un peu d'eau. Dans un premier temps, malaxe bien ta pâte à sucre. Saupoudre ton plan de travail de sucre glace. Et maintenant, avec le rouleau, étale bien ta pâte à sucre. Bien étalé, enroule-la sur ton rouleau. Tu verras, cela te permettra de la poser plus facilement sur ton gâteau. C'est très facile, il ne te reste qu'à la dérouler. Maintenant, rabats bien ta pâte à sucre sur le bord de ton gâteau. Découpe l'excédent de pâte à sucre avec un petit couteau. Afin de maintenir tes trois gâteaux, nous avons décidé de planter trois petits pics, mais ce n'est pas obligatoire. Malaxe ton deuxième morceau de pâte à sucre et divise-le en deux. Nous avons décidé de faire le deuxième gâteau bleu et le troisième gâteau à nouveau blanc. Pour colorer ta pâte à sucre, mets une pointe de couteau de colorant alimentaire sur un morceau. Malaxe ta pâte à sucre. Avec le rouleau, étale-la bien. Ta pâte à sucre est bien étalée, enroule-la sur ton rouleau. Tu verras, cela te permettra de la poser plus facilement sur ton gâteau. Maintenant, rabats bien ta pâte à sucre sur le bord de ton gâteau. À sucre avec un couteau. Supprimez l'excédent de sucre glace sur ta pâte à sucre, deux conseils. Utilise un pinceau et un essuie-tout humide. Tu verras, c'est très facile, tu arriveras à enlever tout le sucre glace. Maintenant, prends ton deuxième étage et positionne-le sur les pics. À toi de jouer pour réaliser le dernier étage en suivant la même méthode. Si tu veux ajouter des étages supplémentaires, suis toujours la méthode que nous te conseillons.
il ne te reste qu'à décorer ton gâteau. Pour fixer les mini meringues, humidifie l'endroit où tu veux les positionner avec de l'eau et un pinceau. Ton gâteau est terminé. Bon appétit !